Bonjour à vous et voilà, je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette 10e session de Flamenco Training. Donc ça passe assez vite, déjà 10 semaines que le projet est lancé. Et j'avais envie pour cette 10e séance en fait de proposer une application réelle en fait dans un Vaile en proposant 5 marquages de Soleil Apollinaire ou d'Alegria en fonction de là où vous aimeriez les utiliser. Donc ce sont 5 basiques, oui, voilà, 5 marquages basiques que vous devez déjà connaître. Mais l'intérêt de la séance, ça va être en fait par rapport à toutes les séances déjà passées, d'intégrer en fait tout ce qu'on a vu, tous les concepts vus, du bassin, de la fluidité des bras, etc., etc. Et de voir ensuite comment on intègre tout ça en fait dans notre Vaile et là spécifiquement dans les marquages. Donc voilà. Et pour illustrer en fait j'ai choisi pardon, pour illustrer cette mise en pratique, j'ai choisi un thème de André de Jerez et Saborito, un thème de Soleil Apollinaire qui s'appelle Libertà. Et voilà, je suis très heureuse du coup de danser sur leur musique que je trouve super et je vous conseille du coup pourquoi pas aussi vous procurer le disque. Donc voilà, c'est parti pour cette séance et bien évidemment on va s'échauffer d'abord comme d'habitude, bien évidemment, et ensuite je vous montre les différents marquages et ce sera parti pour la mise en pratique. Allez, on y va. Donc, nous voici pour l'échauffement. Comme je ne vais pas vous surprendre, vous savez bien qu'on commence d'abord par bien se positionner. Voilà, le bassin bien ancré, bien dans le sol, bien dans une bonne verticalité. Et pour ça, voilà, on va bien se placer. On raccourcit la distance pubis-nombril de manière à engager les abdominaux, le bas du corps, du coup, le transverse, les muscles ici. On relâche, voilà, on sent une sensation un peu de soulagement en fait dans les lombaires. Et voilà, et on est bien placé. On a un bon contact des pieds dans le sol. Et voilà, et comme ça, on est bien parti. On va commencer toujours pareil encore par ce mouvement-là que j'affectionne beaucoup. Voilà, qui permet de donner un peu de mobilité dans les hanches et dans les psoas. D'accord? C'est pour ça que j'aime bien ce mouvement. Et il donne aussi de la mobilité dans la colonne vertébrale. Puisqu'on intègre déjà une torsion. Okay? Voilà. Alors, j'engage aussi un peu la tête de manière à donner un peu aussi de mobilité au cou, mais vous n'êtes pas obligé parce que ça tombe, ça donne un peu le mal de cœur. Hein, d'accord? Donc, à petite dose. Après, on fera un autre mouvement pour le cou. Voilà, là déjà, ici, on commence à sentir un peu plus de fluidité dans le haut du corps. Parce que ce n'est pas le propos de la séance. On inspire, on engage les bras vers le ciel. Toujours pareil, on ancre encore plus le bassin dans la terre, dans ce mouvement-là. Et je relâche. Ok, encore une fois, inspire. Voilà. Expire. Et on va faire la même, enfin, la même chose, pas tout à fait la même chose. On va engager notre périnée avec ce mouvement. Inspire vers le bas du coup. Expire, contracte et reviens. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Bon, voilà, etc., etc. On remet les pieds parallèles et on va commencer aussi à mobiliser le buste, les épaules, les articulations des épaules. Voilà, le diaphragme aussi. Voilà, je vous mets profil pour que vous voyez bien que ce n'est pas juste un mouvement d'articulation d'épaule, mais c'est aussi une mobilité de la colonne vertébrale. Voilà. Et aussi vers l'avant. À notre nuque, à notre
pense que j'en ferai aussi certainement une séance spécifique pour gérer un peu la tête, la nuque et tout le travail en fait du cou qui est malheureusement souvent peu fait au cours. Toujours pareil, on n'a pas assez de temps, hein, donc c'est compliqué de tout faire, mais là voilà, en faisant une séance spécifique, et ben, ça donne 15 minutes pile poil pour la tête. Bref, voilà, on est plus ou moins échauffé. On va pouvoir commencer à intégrer la séance. Alors, comme je vais proposer des marquages en 12 temps, bien évidemment, le principe de base, c'est de connaître le compas, le rythme des 12 temps, et d'être à l'aise, vous n'êtes pas obligé d'être à l'aise avec le rythme pour commencer à faire les exercices, à faire les marquages, mais en tout cas, en avoir conscience et connaissance surtout. D'accord ? Donc, le rythme en 12 temps, ça fait... temps, sur le troisième temps, et ensuite j'ai accentué 7, 8, et ensuite j'ai accentué 10 et 12, pour revenir ensuite, etc., etc. Bien entendu que vous pourriez très bien, non pas accentuer le 7 et 8, mais accentuer le 6, 7, 8, c'est-à-dire le 6 et le 8. C'est plusieurs manières de faire, hein. De toute façon, évidemment, pour celles qui ont déjà fait des palmas, vous savez qu'il y a plusieurs patrons de palmas pour accompagner les thèmes de flamenco. Hein. Donc moi, je ne peux pas faire une... Ça sera encore une séance à part entière de palmas, mais voilà, ça suppose que vous savez déjà le faire. Moi, je ne fais qu'un rappel. Hein, donc... accentuation-là, pardon, de siete et ocho, parce que dans mon premier marquage, c'est ce qu'on va accentuer, cet amphore-là, je vais vous dire, avec les pieds en alternant successivement le droit et gauche. Donc vous commencez par le pied que vous voulez, peu importe, on va faire 12, pa pa pa, pa pi pa pa pa, et pa 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 pa, pa 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 pa. Pas, on se rappelle des séances qu'on a déjà réalisées ensemble. Quand on va donner un golpe à la terre, chose qu'on n'a pas encore fait jusqu'à présent dans ces séances-là, on ne va pas rester au-dessus, c'est-à-dire juste donner un coup comme ça et le corps est là. Non, on va essayer de donner aussi, de s'investir en fait complètement, alors sans aller comme ça, sans se recroqueviller, mais c'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais appuyer la terre, je vais aussi donner mon bassin en plus, d'accord, et c'est ça, vous verrez qu'ensuite, quand vous allez faire des frappes de pied, quand vous pourrez le faire, ça donne un autre saut à votre golpe, et ça donne aussi un autre investissement général à votre danse, d'accord, ça va rendre la chose beaucoup plus, je vais dire, sincère, c'est pas le mot idéal, mais beaucoup plus authentique et moins superficielle, d'accord, que si je frappe le pied, donc, chose. Donc là, moi, je vous propose un très simple, c'est-à-dire lever les bras. Mal fait, c'est très très moche. Pardon d'être assez sincère,
C'est vraiment, et je le dis pour moi aussi, d'accord? C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on fait un marquage entre guillemets facile qu'il faut le bâcler. Au contraire, plus ça va être facile, enfin, plus ça va avoir cette tendance à donner, à être simple, et plus il va falloir y mettre beaucoup plus de vous et beaucoup plus d'intention, d'accord? Donc quand je fais ce marquage-là, donc c'est juste, hein, vous avez vu, je me mets le dos, mais bon, je pense que j'ai pas trop besoin, c'est je sors le pied et je ramène. Je sors le pied, je ramène. Et pareil, bah même, de la même manière que tout à l'heure, j'ai parlé de l'investissement du bassin, dans ce marquage-là aussi, j'investis, à chaque fois que je donne la jambe là sur le côté, j'investis le bassin et je reviens. J'investis le bassin et je reviens. Alors, on n'est pas obligé de complètement déhancher, d'accord? Ça, c'est juste, c'est optionnel. Mais en tout cas, et à un moment donné, voilà, on peut un peu plus rentrer dans la terre, en fait, rentrer dans, voilà, d'intégrer la terre et de faire corps avec elle. Et ça va donner beaucoup de peso, en fait, à votre baguette, plutôt que de rester très, très en haut. D'accord? J'ai parlé du bas. Maintenant, dans ce marquage-là, vous avez vu, il y a des petits trucs qui se passent avec le haut du corps. Alors, pareil, j'ai descendu les bras vers l'extérieur pour les remonter vers l'intérieur, mais on pourrait faire l'inverse. Hein. Enfin, on pourrait faire d'ailleurs des milliards de trucs. Mais pour le moment, je reste basique, puisque c'est l'idée de vous proposer des marquages basiques que vous avez déjà. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai donné des notions d'un peu de remarquer dans les... Enfin, des notions, j'ai nuancé dans mes bras. J'ai pas juste descendu mes bras et je ne les ai pas remontés comme ça. J'ai fait... Bah, i, aïe, i. Et à un moment donné, bah, je donne des actes, j'accentue en fait avec les muscles, d'accord? Pour que ça ne soit pas lisse. Ça passe pas quelque chose comme ça, un peu bateau. Ok? Et ça, on verra, on fera ensemble ensuite pendant la musique. D'autres choses, mon troisième marquage maintenant, c'est un marquage qui va, voilà, que vous connaissez, je pense que vous avez déjà vu plein de fois, ça va être un déplacement, d'accord? En accentuant cette fois-ci non pas le 7 et 8, pardon, mais en accentuant le 12, le 3, le 6, le 8, le 10, le 12. Enfin, je le montre d'abord de face, mais ensuite je montrerai de 12 après. 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pour ces marquages-là, je vous conseille vraiment, si vous n'avez pas fait cette séance sur l'importance du bassin dans les déplacements, je vous conseille vraiment de la faire, d'accord, pour bien intégrer en fait tout ce qui se joue en fait quand on va d'un point A à un point B, d'accord. Je le fais de dos, ça ferait, donc je le mets bien là pour pas atterrir dans le mur, mais ça ferait 12, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, et j'accentue 6, 8, 10 et pas. Et là, je reviens un peu plus soft. I, pas, ria, et pas, 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 I, pas, ria, et ok, etc., etc. À chaque fois, je suis toujours mon haut du corps et toujours au-dessus de mon bassin. D'accord? Je fais un bref résumé de la séance sur le bassin, mais c'est qu'en fait, à chaque fois que vous allez vous déplacer, vous n'allez pas, comment dire, soit amener le corps avant, soit le bassin à... c'est que mon corps, enfin le bassin précède, mais le corps arrive juste après et au-dessus, de manière à toujours être en fait bien en équilibre et pouvoir surtout donner beaucoup d'amplitude. Je fais ce marquage-là, on va aussi le réaliser sur place. D'accord, c'est-à-dire ici. Pa, pa, et pa, ria, pa, pa. Pour le donner un côté plus grossi. Il y a des fois, par exemple, surtout dans les solea coloreria, où le kante va demander un peu ce côté moins étalé, moins dense, mais au contraire plus, je n'ai pas le terme, ça, je suis désolée, mais plus rude, mais plus âpre en fait, plus terrien, plus sec. Et du coup, notre marquage, si on le garde un peu plus, si on l'étire moins, notamment en fait, quand vous verrez, on le fera quand on n'aura pas la guitare encore, quand la guitare vient après,
Et du coup, on accompagne en fait le chanteur dans quelque chose de plus, voilà, de plus resserré. C'est ça que je veux dire. Et du coup, nous aussi, on est plus resserré. On est plus resserré dans notre intention. Et quand va venir la guitare qui, elle, va donner toute l'ouverture en fait du coup, va donner toute la musicalité au thème, là, on va pouvoir nous aussi donner de l'amplitude et ouvrir aussi le mouvement. D'accord ? Pour contraster, toujours pareil, ça donne cette idée de contraste. Donc, on en était, on a notre troisième mouvement et je vais donner le quatrième mouvement. D'accord ? Donc mon quatrième mouvement, c'est un avatar du troisième, c'est-à-dire que dans le troisième, on faisait pam, et on faisait vers l'avant, ok, et là, inversement, je vais d'abord vous le montrer de face, on va faire la boucle vers l'arrière, on va faire pam, je vais avoir un problème avec mes plantes, pa, pa, et pa, pria. Donc, je vais juste pousser ça parce que ça va me gêner. Voilà. Et je refais, d'accord ? Donc, ça fait pa, 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 et pa, pria, et pa, 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 et pra, pria. Bon, ce côté-là, je vais vous remontrer parce qu'à chaque fois, ça. Je suis pris dans les pots. Donc, ça fait pa, 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 et pa, et. Alors, vous allez voir que rien qu'en faisant ce petit mouvement-là de virgule et de bon, vous allez faire un virage, voilà, ça va vous demander vraiment d'être bien placé au niveau de votre bassin. Donc, c'est un bon exercice et je vous le montre debout. Donc, ça fait pa, pa, pi, pa, pa, et pa, pa, pi, pa, ria, et pa, dernière fois, pam, pi, pam, ria, et pa, etc. C'était mon quatrième. Et enfin, mon dernier, pareil, c'est encore un avatar du troisième, ça ferait ça, regardez. Et certainement, c'est une forme que vous avez vue aussi, hein. 12, 11, 13, chasse le pied, 7, pardon, je me suis trompée dans les comptes, je refais, 12, 11, 13, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 11, 13, 4, 5, et pas rien. Donc là, il y a une torsion du bassin, du ventre de dos, ça fait 12, 11, tape le pied 3, ça, au 3, alors tape le pied gauche au 3, sort, donc front de jambe avec le pied droit, et revient, 6, 7, 8, 9, 10, la même chose de l'autre côté, 12, 11, 13, 14, 5, et pas, regarde. Alors dans ce mouvement-là, et c'est pour ça que je le montre en dernier, parce que c'est qu'on commence à intégrer un peu de difficulté, parce qu'il faut avoir une bonne conscience du coup du bassin pour revenir après dans les clous, quand vous avez fait ça, c'est-à-dire qu'il faut bien penser que c'est le bassin qui redonne la direction. Donc le bassin a ouvert ici. Donc du coup, votre corps s'est aussi déporté, de la même manière. Et ensuite, hop, c'est par le bassin. Donc le bassin était là, c'est par le bassin que vous revenez ici, que vous faites l'autre vague. D'accord, je vous montre encore. Ça fait 12, 11, 13, 14, 15, et pas, rien. Ça va ? Allez, c'est parti pour. On va le faire en musique et voilà pour vous. On va commencer par faire un refait. Donc, on va le faire maintenant en musique avec donc, le fameux thème Libertad d'André de Ferrer et Samuelito. Je vais à chaque fois, certainement, refaire plusieurs fois le premier marquage, plusieurs fois le deuxième marquage, etc. etc. pour tous les faire. Allez, c'est parti. Allez. No podía ocultar más.
répéter en Sole Apollonia. Bien entendu, vous pouvez faire la même chose en Allegria, en Gallia et tous les divers styles que vous retrouvez en 12 temps dans le flamenco. Voilà, donc n'hésitez pas à vous amuser, à refaire ces marquages-là sur des musiques qui vous plaisent aussi. Le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est de pratiquer, les refaire et surtout ne pas croire que le fait que ce soit des basiques, il ne faille pas les travailler, bien au contraire, d'accord ? Plus vous allez asseoir votre pratique de ces gestes entre guillemets simples, et plus ensuite vous pourrez avancer dans le flamenco et surtout avoir des gestes de qualité. J'y tiens. La qualité vaut vraiment bien mieux que la quantité dans le flamenco. Il vaut mieux bien savoir marquer, avoir peu de matériel et bien les faire plutôt que l'inverse. D'accord ? Ça sera mon message de fin pour cette vidéo. Voilà, n'hésitez pas à la faire plusieurs fois, à la partager, à vous abonner, etc., etc. Et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et bonne semaine.